Je suis en... Hello à tous, bienvenue, et joyeux Hunger Games à tous. C'est pas prévu vraiment que je raid aujourd'hui, mais j'avais dit peut-être mais pas sûr, mais voilà. Je vais m'occuper un petit peu de bosser sur le modpack, je fais mes stories, hein, fait. Et il s'avère que c'est l'horreur, il me manque de l'énergie, mais... la grosse merde au niveau énergie, ça me gratte dans les oreilles. Donc du coup il va falloir faire plus d'énergie. Donc il faut que je regarde un peu ce que je peux faire en termes de génération d'énergie, parce que là là c'est clairement plus possible. Le modpack est déjà lancé, donc je vais aller sur la RFC. En agrandissant, alors le bait ne fonctionne pas. Mais ça spawn naturellement. Donc, et quand je vous disais, on a un problème de gestion d'énergie, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et malgré ce que j'ai fait, l'énergie peine à monter. Pourtant, lui ne consomme que 691 FE particules. C'est. Espèce de gros débile qui parle dans le vide, j'ai pas mon micro près de moi, ça marche moins bien. Du coup, désolé, bienvenue à tous et à toutes. Faut que j'apprenne à arrêter d'être débile. Donc, du coup, j'étais en train de dire tout seul dans le vent, il faut impérativement que je trouve une meilleure source d'énergie, parce que là, Powa est nerf, et malgré ici que ça consomme que 691 FE, ce qui est quasiment rien, et ça consommait pas des masses non plus. Eh ben, j'ai dû arrêter d'utiliser ça et d'utiliser ça parce que mon énergie était en PLS malgré que j'ai fait ça. J'ai blindé de Magmator en nitro. J'ai blindé ici, j'ai augmenté la production de lave en faisant ça comme un gros porc. Ce qui fait que ici, ça commence à diminuer. J'étais à plus de 520. Ça a diminué, voilà, bon, ça se stabilise un peu. Mais ouais, même avec ça, qui me génère 4800 FE particules, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Je gère 14 fois 4800 FE particules. Ça veut dire que je génère plus de 50 000 FE particules. Alors, soit il y a un gros problème, ou je sais pas, parce que lui, il commence à peine à remonter. C'est pas possible que juste lui, plus l'autre, m'utilise plus de 40 000 FE particules. C'est pas possible. Lui, il se recharge, il en a 640 000. Je sais pas combien il en consomme. Bon, après, il travaille beaucoup, hein, mais quand même, j'ai pas de. J'ai rien d'autre en termes d'électrique. J'ai enlevé, parce que j'ai fabriqué le Soul Extractor pour pouvoir avoir les blazes plus facilement. Puisque j'ai accès au Nether, hein, donc j'ai fait ça plus facilement. Mais je l'ai enlevé. Et ici, j'ai supprimé parce que, ben, voilà. Et même avec juste ça, rien que ce petit-là, eh ben, ça galère. Donc, il faut que je trouve une meilleure source d'énergie. Là, énergie production. Donc là, ici, on a ça. Le problème, c'est que même si je fais les réacteurs, bah, les réacteurs me produisent que 5,4 000 FE. C'est pas beaucoup plus. Donc, faut que je trouve une solution. Donc, c'est quoi ça? Ah, c'est les ouais, turbines et réacteurs. Ouais. Ça peut générer pas mal, mais c'est compliqué à mettre en place maintenant. Peut-être les solar panels. Alors le tir 1, un seul FE particule, c'est pas énorme. 8, 32, 128, 512, 2048. À partir du 7, ça commence à être intéressant. 8000 FE particule. Ça fait à peu près le double de ce que je consomme maintenant, enfin ce que je produis. Mais ça coûte du Dragon Breath.
Donc, bon, ceux d'avant, je peux les faire, mais ouais, c'est ça demande énormément de ressources. Après, on a ces petits trucs-là, c'est quoi ça? Alors, lui, consomme, enfin, il fait 120 FE par millibucket. Ça fait 120 000 FE pour un bucket. Alors j'avais bookmark celui-là aussi. Ça utilise des potions, ça a de la TNT, ça utilise du pink slime, je suppose. Le simple soul générateur, il utilise quoi lui? Vraiment? Un bon P produit 32 000 FE. Alors là, c'est pas du partic par contre. C'est un stock. Ça, je les ai à l'infini en vrai. Parce que les autres, j'avais pas regardé ce que c'était. Alors celui-là, on avait déjà regardé, je crois. Ouais, il consomme tout un tas de trucs, mais ça a l'air d'être chiant. L'Ender, tu consommes quoi toi? 64 000 pour un Ender Pearl. Ça m'a l'air pas mal. Et moi, celui que j'avais vu qui était intéressant, ça aurait pu être celui-là. 100 millions de FE, hein, mais Nether Star. Donc après, à voir. On va se crafter quelques trucs, on va voir ce que ça donne. Si on se crafte... Alors, faudrait que je les autocrafte. Donc ici on se fait de la smooth stone. Techniquement celui-là je peux me le faire. Il ne demande rien d'autre. Hein. Ah si le blast. Non mais un là et un là. Donc techniquement celui-là je peux me le faire. Celui-là. Je devrais pouvoir le faire aussi facilement. Et celui-là. Alors celui-là va être un petit peu plus embêtant parce qu'il me faut des magma blocs. Quoique en vrai. Parce que ça, j'en ai des magma crimes, hein, ouais. Donc, ouais, non, en vrai, ça va. On va mettre ça là, ça là. Du coup, c'est des générateurs. Hein. On va en crafter un et on va voir comment ça fonctionne. Alors, donc lui, concrètement, si je le pose, énergie 100 000, tout le buffer, et on peut lui mettre... Ok, on peut plus ou moins le configurer. Attendez, donc du coup, et lui fonctionne avec par exemple une Ender Pearl. Dégage l'œuf. Donc si on prend une Ender Pearl, est-ce que c'est instantané? Est-ce que c'est... Ah oui. Ok, là ça remplit. C'est marqué total 800. Donc il y a moyen de l'automatiser. Ça produit quand même pas mal. Et donc je suppose que lui c'est pareil. On peut connecter la lave, ouais, fluid tank. À mon avis, celui-là, il sera plus rentable. Hein. Je vais tester un truc. Est-ce que par exemple, si je le connecte là, il se remplit. Ouais, il le prend direct. Alors ça, attendez. Ça, si j'en fais plusieurs. Oh, je produis beaucoup de lave ici.
Il y a moyen, je les remplace, hein, ça. Parce que lui, il peine à rester plein, là. Qu'en mettant celui-là, par exemple, si je fais ça. Bon, là, c'est pas assez, hein, clairement, mais... Là, il produit pas assez vite, en fait. Mais si je m'en fais plusieurs, par exemple. Générateur. On va faire une dizaine. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Là, il est en train de les crafter. J'en ai déjà 3. Et si je fais ça, si je fais le même principe, logiquement, ils se connectent. Hein. Bon, là, je suis encore en baisse, c'est normal. Il reste tout le temps plein. Par contre, là, ça indique qu'il produit 80 FE, ce qui est loin de ce qu'on avait vu. Hein. C'est pas ce qui était indiqué. Hein. Hop, j'ai les 7 autres. Et là, ça donne quoi? Est-ce que là, ça se remplit? Oh oui, ça se remplit beaucoup plus vite. Ok. Donc rien que ça, déjà, ça me fait déjà une énergie beaucoup plus intéressante. Eux, ils se remplissent un peu à la fois. Ça redescend, ça se remplit. Ouais, c'est normal. Hein. Mais ouais, là, ça se remplit beaucoup plus vite. Donc là, on a déjà une bonne production d'énergie. Avec ça. On va en refaire 3 pour dire d'avoir le même compte que les Magmators. Donc on a déjà ça. Et l'énergie, elle reste bien stockée. Hein. Bon, ça, je vais aller la vider là-bas, du coup. Mais ça, ça impliquerait qu'il faut que je lui importe directement. Hop, boum. Il va me le remplir. 64 000 feux, c'est rien. Donc il a, ça a été très rapide à vider. Hein. Là où ça pourrait être intéressant, du coup, c'est celui avec les Nether Stars. Parce que lui, lui... Des Nether Stars, j'en ai 9. Donc techniquement, ça me fait 900 millions de FE, là. Et si je fais ça... Le truc, c'est... Ça produit pas... C'est long à produire. Le souci, c'est ça. C'est que c'est très long à produire. Après, ça produit pas mal, hein, donc c'est bien. Mais ça reste long. Oh là là, au niveau production, on est bien. Là, on est largement dans le positif. Maintenant, il faut voir si, en remettant mes gates sur ça, par exemple, celui-là, est-ce que ça va tenir la cadence? Ah, ça continue à monter. Donc lui, il peut continuer à bosser. Et là, on va arriver aux 140 millions. Et quand on sera aux 140 millions, ils vont tous se re-remplir. Ils vont remplir leur buffer. Lui, il va remplir son buffer aussi. Ah, là, il y a moyen qu'on soit tranquille pour un petit temps. Bon, ça m'a l'air d'être une bonne... 1, 2, 3, 4, je vais y arriver. D'être une bonne alternative pour la production d'énergie, en tout cas.
On va se manger quelques chips. Des chips au bacon. Je me ferais bien ces petits gars-là aussi. On va déjà aller jusque là. On va se faire les autocrafts. Hein. Ça, il sait faire. Du coup, ça, il sait faire. Ça, il sait faire. Ça, il sait faire. Alors, on va mettre le dollar 1, dollar 2. Toi, on va te mettre là. Alors, dollar. On va en faire un. Il me faut un miroir aussi. Pour commencer les quêtes. Parce qu'en vrai, ça va me faire de l'énergie passive la journée. Par le numéro 3. Faudrait qu'on aille jusqu'à celui-là, hein. Mais il nous faut du Dragon Breath. On peut l'avoir facilement avec ça. On peut aller jusqu'au 4 sans problème. Alors, le Solar 4. Pour l'instant, je vais me les faire comme ça parce que j'en ai. Qu'est-ce qui... Ah, il est en train de me faire... Ok. Donc là, le 5, je l'autocraft.
1, 2, 3, 4, 5. On va autocraft le 6, parce que le 6, je peux encore le faire normalement sans problème. Non. Voilà, fais-le moi avec ça. Et ça, ça se fait comment? Oh, bah c'est facile ça en fait. Sur le coup, j'allais dire, il va être un peu plus compliqué à faire celui-là. Et donc du coup, le 6, je peux aller dessus. Et le 7, il me faudra le Dragon Breath. Donc c'est là où ça va coincer. Pour l'instant, je peux aller jusqu'au 6. Donc là, il a besoin de ça, du quartz. D'ailleurs, je vais lui apprendre à faire le quartz. Le bloc de quartz. Et ça, c'est avec de l'émeraude. Ok. Ok. Solar 4, ouais, j'avais déjà fait. Donc on va lui demander. Un Solar 5, missing. Ah, je ne l'ai pas appris à faire les photovoltaïques Cell 3. C'est une honte. Solar, donc on avait dit le 5. Voilà. Après, on fera le 6. Ouais, du coup, lui, voilà. Ouais, ils sont en train de se remplir un peu à la fois. Hein. Ok. Comment ça? Machine doesn't accept? Comment ça? Ah! Ah, c'est mieux. Donc du coup, ça, on aura le 5. Ah oui, c'est parce qu'il est blindé, il n'a pas le temps, lui, de... Ah, mais il n'a pas de... De speed, lui. Ah. Bon, ok, attends. On va te cancel, toi. Voilà. Speed. Ouais, forcément, si je lui donne pas de speed à lui... Voilà. Ça devrait aller mieux. Solar 2, Solar 4, c'est celui-là, le Solar 5. Ah oh, bah il me l'a fait du coup. Direct. Solar 5. Solar 6, il peut me le faire. Là il doit juste faire les petits crafts, produire du verre, voilà, c'est ça le plus...
Mais là, ça va, ça s'extrait ultra rapidement maintenant. Donc ça, c'est cool. Oui, il va me falloir des buckets. Est-ce que j'ai mes buckets Je dois refaire un gâteau. En vrai, il faut que je commence au chiller un network. Et le solar panel 7, je peux le faire. C'est faisable. Hein. Hostile. Faut que je me fasse ça, ça, ça et ça. Alors ça, je vais les autocraft ça. Que ça, je peux en avoir besoin plusieurs. Ça, je vais l'autocraft aussi. Et on va autocraft les glass panes. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça il m'en faut juste un. Je vais l'autocraft, mais je vais enlever l'autocraft juste après. C'est juste histoire de... De le faire une fois. Et de pas me prendre la tête. Voilà. Il faut que j'autocraft ça par contre. Parce que ça je vais en avoir besoin plusieurs. Et il faut que j'autocraft ça. Ok. Donc. Ça fait moins d'une dizaine. Voilà. J'en ai besoin. Pour l'instant, un. Ça va être pour l'Ender. Moins en 1000 de ça. Je peux me les faire. C'est parfait. Ça fait moins en une. Ah, ça va vite. Hein. Ça fait moins en une. Voilà, et ça, ça va demander de l'énergie. On a la simulation chamber et le loot fabricator. Pour ça, je ferai des entanglades à celui-là. Et je rajouterai des drawers ici avec les différents trucs. Ouais, d'ailleurs, ça, je les ai rajoutés là pour avoir accès. On va prendre deux gates. Voilà, comme ça, ils sont tous les deux alimentés. Et malgré qu'ils soient alimentés, logiquement, ici, ouais, voilà, ça va remonter rapido. Ouais, bon, niveau production d'énergie, ça devrait le faire. Je vais quand même faire les... Je vais quand même aller jusqu'au solar panel, en vrai, parce que ça peut être utile. Faut que je me fasse l'Ender Dragon, et je vais devoir le tuer plusieurs fois. Donc, il va falloir que je que j'apprenne à faire les Zen Cristaux. Ça, tu vas me l'autocraft, mon gamin. Les Gastir, tu vas me les autocraft aussi. Et logiquement, je vais devoir le tuer 6 fois. Donc, il faut que je le fasse 5 fois supplémentaires. Donc, il me faut 2, il me faut 20 pistos. Je vais déjà récupérer quelques... Alors ici, il a dû me finir le solar, d'ailleurs. Solar panel 6. Ouais, pour le 7 et le 8. Ah, il y a peut-être moyen d'en faire 3 fois. J'en aurai 6. Ouais. Ouais, alors je suis en train de m'arracher la peau, je suis désolé. Ça me stresse.
Salut Thibaut. Ça, on peut les avoir aussi là-dedans. Hein. Ouais, carrément. Voilà, je l'ai arraché, ça va saigner. Du coup, ça, faut que je m'en fasse deux. Faut que je me fasse deux modèles. Du coup, il va me falloir deux chambres. Comme ça, il y en a un qui va me faire les œufs de dragon et l'autre qui va me faire... Ok. Que là, de toute façon, le dragon, ça va être easy peasy. Il me semble que dans ça... Ouais, on peut en mettre plusieurs. Hein. Est-ce que j'ai un arc? Ouais, on va aller... On va les réparer. Pas se casser la tête. Ça devrait être suffisant. Ce qu'il faudrait que je me fasse aussi, c'est la table d'enchant. On a la table d'enchantement d'apothéosie. On a les enchantements d'apothéosie. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est clair que ça fait du bien que ce soit moins chaud. Donc ça, j'ai autocrafté les books, mais pas les bookshelves. Bon, pour l'instant, on va se faire une table d'enchant vraiment basique, hein. On se fera de meilleurs enchantements plus tard. Tac. Est-ce qu'on peut les enchanter ça? Non, ça on peut pas les enchanter. Ah. Donc je suppose que ça non plus. Ah si, ça on peut. Limité d'enchantement. Bizarre, bizarre, bizarre. Bon, c'est pas grave, là c'est surtout pour l'arc. Du coup, je suppose qu'il y a les tomes. Yes, on va prendre le tome lié à l'arc. Tu vas me l'autocrafter. Et du coup, on va faire tome. Fais-moi-en une dizaine. Power. Ouais, vas-y, on va lui mettre du power 3. Unbreaking. Multibow, on s'en fout. Encore de l'unbreaking. Du power 2. Power 3, donc je pourrais le mettre en power 4. Et unbreaking, il n'y a pas plus, je pense pas.
Tiens, d'ailleurs, ici, je me fasse une anvil. Classique. Alors, tu m'écris? Anvil. Tac. Tiens, d'ailleurs, je pense à ça. Maintenant, je peux faire le receiver. Et le transmetteur. Je sais juste plus lequel j'ai besoin, mais je crois que c'est celui-là hein, de base. Si je le mets là, que je fais ça, yes, c'est celui-là. Ok, j'ai accès. Et lui, par contre, pour l'instant, j'ai accès à 16 blocs. Et là, il fallait que je fasse des Infinity Range Booster. Il en demande combien pour la quête? Un seul. On va en faire une. Voilà. Et dimensionnel. Voilà. Et logiquement, je mets celle-là ici. Et j'ai accès partout. Non, il me faut l'Infinity quand même. Faut que j'en refasse une. Par contre, ça va me consommer du courant. Logiquement, beaucoup plus. Ah ouais, je suis passé à 8000 effets par tick. Et là, 12800 effets par tick. Ouh la vache. Ouais, là, ça bouffe à mort. Donc, faut vraiment que je me fasse le... les solar panels pour le coup. Ok. J'ai l'anvil. On a du Breaking 4 et du Power 3. Ça me fait du Power 4. Punch, on s'en fout. Power 3. Je sais pas ce que c'est ce truc de potato là, mais... du unbreaking, on va essayer de voir si on peut avoir un autre power 3, ce serait pas mal. Power 4, parfait. Power 4, c'est good. Pour l'instant, je vais lui enlever l'infinity. Là, on est à 8000. Est-ce que 8000, ça le tient ou pas? Ah non, 8000 ça le tient pas non plus. Donc pour l'instant, je vais enlever les cards. Et normalement, ça devrait le faire. Oh là là, ça remonte. Pour l'instant, les cards, je vais les mettre là. J'ai pas. Pour l'instant, j'aurai accès qu'à 16 blocs, ça c'est pas trop grave. De toute façon, là, je dois me faire le lender. Alors, faut que je me fasse un Nen Cake. On va gagner du temps. Normalement, il a tout ce qu'il faut pour. Voilà, il me fait l'encake. Allez! Voilà, j'ai l'encake. On va le mettre là. Et let's go. Alors, on va se faire un escape tunnel. Voilà. Là, on va prendre ça et on va le mettre les deux sur l'Ender Dragon. Viens là, compagnie. Allez. Ah mais il faut que je puisse l'approcher les gens.
Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai pas pris de flèche. Oh, le boulet. Le gros boulet. Ouais, ça m'a consommé une part, hein, du coup. En fait, je vais attendre qu'il soit au sol pour pouvoir faire ça, parce que sinon, ça va être... Par contre, c'est quoi, ça? De la Fallen Star. Ok. What? Pourquoi je prends des dégâts quand je les pète ces trucs? Ouh, c'est assez bizarre que je prends des dégâts avec ça. Voilà, j'ai pas de fiole, donc je peux pas récupérer de Dragon Breath. Je vais peut-être aller en chercher d'ailleurs. On va éviter de garder le magnet. Ça sert à quoi ça? On peut se faire du... Stardust avec du Stellium Ingot. Ouais, c'est bizarre comme truc. What? Pourquoi je les ai reçus? Mais what? Ah, j'ai manié de 3, j'avais pas vu avec mon arc. En train de me dire mais merde il se passe quoi. Ok, bottle. On y go et dès qu'il sera au centre on fait le data model. Attends, il y a du Dragon Breath. Ouais, il en a foutu partout. Allez, descend. What? Il s'est passé quoi là? Salut toi. J'aimerais bien comprendre pourquoi je me suis fait toucher là. Je me dis pas que c'est ces trucs là. Ah. What? Attends, attends, attends. C'est quoi ce délire? Ah, c'est bon. J'ai le premier. Ok, c'est vraiment fait. Alors, faudra m'expliquer comment c'est possible, hein. Attendez, je reviens.
27 par chez toi. Moi, je suis à 22. Chez moi, dans mon logement. Alors, là, il faudra m'expliquer par contre comment c'est possible que j'ai pris le tarif à ce point-là. Ah, j'ai pas vu, il y avait le... Ah ouais, d'accord. Par contre, ce serait bien de pouvoir l'approcher un peu quand même. On est censé pouvoir le toucher normalement. C'est quoi ce délire? Mais what? C'est quoi ce dragon de mort? Je lui fais zéro dégâts. Je vais le taper, ça le touche même pas. Ah là ça marche, mais j'ai fait moins de dégâts que... Ah là c'est mieux. Waouh, mais c'est insane hein. Alors, déjà on va faire paf paf. On va essayer... Mais c'est quoi ce délire? Je me fais buter comme ça, one shot d'un coup, sans aucune raison. C'est quoi? C'est un gag? C'est Ah là, j'avoue... C'est du grand n'importe quoi, là. Alors, je lui fais du dé... Je lui fais du dégât aussi, hein. Mais vous avez vu la vitesse à laquelle il me déglingue. Et il me touche même pas. Genre, on dirait que... On dirait qu'il a une range de... Je sais même pas, je... What the fuck, quoi. Mais regardez, ça recommence. Je prends des dégâts comme ça, sans raison. Ah là, c'est... C'est quoi ce truc, The Ground Too Hard? C'est quoi ce truc de malade, là? Alors, c'est un bug ou... Je sais pas, c'est quoi... Faudra m'expliquer là. L'Ender Dragon ne m'a jamais autant fait chier. Mais je me prends des dégâts, on sait même pas comment. Ah, ça me gonfle. Je peux même pas récupérer mon frère. What? Mais what? Mais on peut même pas l'approcher. Non mais là, il y a un moment donné, faut doser là. Mais faut doser une mais de quelle explosion? Même le Cloud Guardian, il fait pas autant de dégâts. Re
regardé en quelques secondes le nombre de morts, quoi. Mais what? Je sais pas ce que c'est. Et je suis censé ouais, 1/6 et 1/6. Data par kill 1. Donc il faut que je le tue encore 5 fois comme ça. Non mais à un moment donné là il s'agirait de doser un peu, hein. Voilà. Là, c'est juste abusé, hein. Bon. Ah oui, j'ai oublié de désactiver. J'ai 6 Dragon Breath. Ça, je vais les faire, hein. Mais là, pas tout de suite à l'instant. Hein. Pas tout de suite à l'instant. Hein. Alors, Solar. Donc j'avais fait le Solar 6. Est-ce que je peux m'en faire un de Solar 7? Non, parce qu'il me manque 4 Water Essence. Il faut juste de la Water Essence. J'ai plus de clé. Attendez, c'est peut-être parce que j'ai plus de clé. Faudra que je fasse la Water Essence de toute façon. Hein. Faudra que je la fasse. J'ai la Fire déjà, donc... Solar, le 7. Ça demande combien de Dragon Breath? 2. Donc techniquement je peux le faire 3 fois le craft. Non, parce qu'il manque la water. Faut que je fasse la water essence. Water aglo. Ok, donc il me faut les 4 buckets. Ah, est-ce que ça marche avec les céramiques? Espérons. Non, ça marche pas avec les céramiques. Ok, bon. Ok. Et il me manque quoi ensuite? De la dirt. J'ai plus de dirt. Ça, c'est pas un problème, ça. Ok. Et ça, c'est avec juste de l'inférium. Hop, hop, il me faut une seed. Seed, j'en ai une là. Au moins, on va déjà faire ça. Là, du coup, faudra peut-être que je vois pour me faire une armure plus costaud pour l'Under Dragon. Vu qu'on a apothéosis, il y a moyen de faire des dingueries.
J'ai vu qu'il y avait du Holzomodium. Est-ce qu'il y a l'armure en Holzomodium? Ouais. Alors, pour un Holzomodium... Attends. Holzomodium Dust. La Holzomodium Dust. Si on la fait fondre, elle nous donne un lingot. Ok. Oui, tout à fait. Alors, je suis pas sûr que je puisse faire ça. Hein. Un compressé de x9. Alors ça, si je veux le faire, faut que je me fasse un champ comme ça, rempli que avec du gold. Et que je mette derrière un builder comme ça. Qui me fait du compressé de x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x... Et même pas, il va me faire que du x8. Et après, le x8, faut que je l'emmène dans un autre... Ouais, le Holzomodium, ce sera pas pour maintenant. Bon, après, par contre, cela dit, 200 de défense... Ça va être mon objectif, ça. Je peux faire un champ... Et il y a moyen que je le fasse, en plus. Hein. Deux. On va prendre à partir de là, on va le faire à partir de là. Donc on va faire le contour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le contour. On va faire une dinguerie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11. Donc là, on va avoir l'eau, les lilypads et la dirt. Je dois en avoir pas mal des farmlands. J'en ai 21, mais il m'en manque encore. Par contre, j'en aurais peut-être pas assez. Là, j'en ai 40, il m'en faut 80. J'ai combien de Nidzanium? 4. 4. On va augmenter un peu la production de d'Aferium. Alors, temporairement, hein, on mettra d'autres graines après. Mais là, on va blinder la production d'Aferium. Dégage de là, toi. Nice. Là, la production d'Inferium, elle va être... Alors ouais, du coup, Water Essence, Water Seed. Ok. Ça, c'est good. Dégage de là, toi. Du coup, il va me falloir... Est-ce qu'on a le calice? Non, on n'a pas le calice. Je suis bête, c'est là qu'il faut que je tape bucket. Bah, je vais prendre cela en vrai. Ah.
Ok, il va falloir que j'autocrafte les lilypads. Je devrais pouvoir... J'en ai quelques-uns normalement, parce que comme j'ai enlevé... ouais, j'en ai un. Ça, je vais le... Tout ça, je vais l'autocrafter. Hein. Donc. Hop. Tu vas apprendre à me faire ça. Tu vas apprendre à me faire ça. Ah, j'ai plus de pattern. Oh, ça va être pile poil. Donc, tu apprends à faire ça. Et tu vas apprendre à faire ça. Non, il va m'en manquer un. Parce qu'il faut que tu apprennes à faire ça. Après, je me perds. Plus tard, je vais me faire la die essence. Hein. Ça, c'est clair et net. Et donc là, il me faut 79 plus. Ici, il faut que je mette des escaliers. Comme ça, en même temps, ça va me permettre de compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dégage de là, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Ok, donc il me faut 40 et 80, ça fait 120, moins 1 parce que j'en ai un, ça fait 119. Est-ce que tu peux m'en faire 119? Yes, vas-y, fabrique. Ok, il faut aussi que je me fasse le granit. Nice. On va se faire un méga champ de gold là. Il m'a fait tous les lilypads. J'ai déjà quelques farmlands. Insanium, j'en suis où du coup? Ça a dû augmenter, j'en ai 7, parfait. C'est pas encore assez. Hein. Du coup, je vais pas mettre l'eau tout autour, avec les lilypads tout autour, tant que j'ai pas tout. Pour l'instant, on va commencer par tapisser le fond de lilypad. Donc, il va me falloir un deuxième collector. Et un deuxième harvester. Du coup. Je crois qu'en vrai, si je peux faire ça, regardez. Ah non, au milieu, je peux pas en mettre. Parce qu'il y a l'eau qui doit venir ici. Sauf si... Oh, il y a peut-être moyen du coup. Je peux peut-être... Je pourrais... Quoique non, ici je pourrais pas faire pareil, mais... Slab. Alors, Insanium Farland. Allez, qu'est-ce qu'il est galère avec ça. Fais-moi-en le plus que tu peux.
Il me semble que si je mets une slab comme ça, j'ai cherché l'eau pour vérifier, mais alors déjà, le truc que je vais faire, c'est ça. Mais même comme ça, hein, quelque chose me dit que ça va être ultra long. Hein. Il va me falloir deux crafteurs de tier 3. Ça va consommer de l'énergie à une vitesse débile. Du coup, le test. Yes! Du coup... Il y a la lilipad en dessous. Parfait. Ça me fait une lilipad en plus. Et là. Mais c'est génial, ça. Ouais, du coup, il va m'en falloir. Mais... Il va m'en manquer une. Il me faut juste une lilipad. Nice. Voilà, ça c'est fait. Ouais, là où ça va être chiant, c'est qu'il va vraiment gérer une Insanium Essence. J'espère que ça va tenir le coup en énergie avec ça. J'ai une grosse baisse d'énergie là, c'est quoi ce délire? J'ai plus de 10 millions d'énergie en moins d'un coup. What? Ah oui, non, c'est normal, c'est quand j'avais mis les cartes. Faut le temps que ça se régène. Ici, je devrais pouvoir me faire les panneaux solaires, du coup. Solar 7. Tout à l'heure, il y avait assez. Ah, c'est si j'en fais 3, il y a assez. Ah, j'ai plus de fire essence. Mais si, j'en ai. Ça produit juste pas assez vite. Bon, logiquement, ça va m'en faire 4 par défaut. Ah vache, mais ça va me produire les 4 qui vont me produire 120 000 effets parties que je crois. Donc en vrai, ça va. Les graines de gold, j'ai ce qu'il faut. Hein. Pas un problème. Voilà, pour l'instant, elles ne seront pas récoltées, mais... Et là, les panneaux solaires, je vais les foutre ici, de ce côté-là. Hein, pour qu'ils récupèrent l'énergie qu'ils la rajoutent là-dedans. Ça va me le remplir beaucoup plus vite. Hein. Voilà, le truc qu'il faut attendre maintenant, c'est l'insanium. Et bon, ça... Ça va assez vite, mais... Le problème, c'est que c'est pas comme l'harvester. Hein. L'harvester classique. Enfin, l'harvester pylône que j'utilisais. Parce que là, je suis obligé d'utiliser l'harvester comme ça. Parce que celui-là, il est bizarre. Je l'avais déjà utilisé dans un autre modpack. Il était bizarre. Ou alors...
Peut-être avec un PowerPoint. Mais je sais pas combien d'énergie il utilise. Parce que là, je produis 80. Comment dire? 80 essences à la fois. Ce qui est pas mal. Mais si par exemple le PowerPoint m'en fait plus, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir s'il peut m'en faire plus ou pas. Là, le PowerPoint, pour l'instant, j'ai le PowerPoint MK1. Si je veux le passer en MK2, il me faut déjà du compressé de gold. J'en ai peut-être assez presque. Ouais, j'en ai 5. Faudrait que je vois. Déjà autocrafter ça. Autocrafter ça. Autocrafter. J'ai pas mis les patterns. Ça. Ça j'en ai donc pour l'instant j'ai pas besoin. Et donc ensuite, si je veux faire le PowerPoint en MK2, ah là, il demande du compressé de x2 là. Qu'il apprenne à me faire ça. Qu'il apprenne à me faire ça. Que ça apprenne à me faire ça. Non, toi tu es déjà là, donc toi on va te mettre là. Là. Et donc là, logiquement, voilà, essaie de tout me faire. Et donc si je remets ça là-dedans et que toi je te mets là, que je te dis power, est-ce que tu vas être capable de me le faire ou pas? PowerPoint MK2, il a tout ce qu'il faut pour me le faire. J'ai le PowerPoint MK2. Maintenant, le truc c'est que ça, ce petit gars-là, combien ça consomme? Et du coup, combien ça me produit? Est-ce que j'ai un drawer sur moi? Non. On va prendre un drawer. On va se refaire Insanium Farland. Ah, j'ai plus de où. Vas-y, on va en faire une en diamant. Hop. Il a même pu m'en faire 3. Donc on lui met une Insanium Farmland. On va lui mettre ça. On va lui mettre une gate. mille FE la vache. Ah ça met une minute à se crop. Ah par contre j'ai pas l'impression que ce soit du hopper. En fait, faut voir combien ça
combien ça va donner d'essence. Si ça donne genre 10 essence, ça vaut pas le coup quoi. Genre une minute pour 10 essence, en 10 secondes j'en ai 80 quoi. Il faut que ce soit rentable en fait. Il faut que j'obtienne beaucoup d'essence. Surtout que ça consomme de l'énergie. Hein. Donc il faut que ce soit rentable. Après on a le PowerPot MK3 et le MK4. Donc à voir, peut-être que le MK4 sera rentable. Mais à voir si ça tient le coup. Déjà au niveau de l'énergie là-bas, ça donne quoi? Ouais, ça descend à mort. Ça veut dire que ça consomme de l'énergie, mais à une vitesse. Alors, ça m'en a fait combien? 32. Ok, donc le MK2 me fait 32. Donc, je suppute que le MK3 peut me faire un stack. Alors, on va te mettre... ça, ça. Après maintenant à voir si il va être capable de me crafter tous ces trucs là aussi, parce que ça demande énormément de choses. Et Refine est quand même limité en termes de craft. Non, là tu fais déjà le MK1. Alors, si je te donne ça, que je te dis PowerPot MK3, est-ce que tu peux me le faire? Non, parce qu'il me manque 346 000 d'essence d'émeraude. Bon, ben, on a la réponse, on fera pas de PowerPot. On va rester sur la bonne vieille technique. Ça ira beaucoup plus vite. Alors par contre là j'ai ma wooden O. Ma diamond O, elle est passée où? What? J'ai pas rêvé, j'avais bien fait une diamond O. Bizarre là. Bizarre. Bon. Toujours est-il que ici on va le prendre. À faire le harvester. Après on a les mechanical harvesters qui demandent pas d'énergie. Mais qui sont chiants à mettre en place. Donc je pense pas que je partirai par là. Ah oui, c'est vrai que tu dois apprendre à faire des mason plates. Du Mason Steel. Alors, on va déjà te donner ça. Avec ça. 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 Du coup, qu'est-ce que tu sais faire? Faut que tu apprennes à faire le dispenser. Ah oui, j'étais en train de faire les Mason Plates. Il a appris à faire le Mason Steel. Maintenant, il faut qu'il fasse le Mason Iron. Je sais déjà le faire, hein, je crois. Oh, je sais plus. On va voir. Harvester. Ouais, non, il sait pas faire le Mason Stone. L'autre, c'était quoi que j'avais fait? C'était le Mason Plate. Mason Iron. Ah, c'était le Mason Steel. Donc là, il faut vraiment qu'il apprenne à faire le Mason Stone. Qu'on va mettre là. Et donc, harvester. Voilà, il peut m'en faire un. Ok.
Celui-là, je vais le mettre. Ah, il va me falloir de la dirt. Et dirt. On va le mettre de ce côté-là. On va te mettre là. On va te donner une range comme ça. Il va récolter voilà tout autour. Enfin, il va harvester autour parce que là, c'est pas le collector. Et là, il faut que je fasse l'item collector. Et là, c'est pareil, je suis obligé de faire le collector parce que le vacuum hopper n'est pas assez. Il est pas assez puissant. Faut que tu apprennes à faire le lapis lazuli bloc. Faut que tu apprennes à faire les droppers. Et faut que tu apprennes à faire les hoppers. Et donc là, le collector. Voilà. Et le collector, là, pour le coup. Et je vais me le mettre au-dessus. Pareil, tu vas être sur une range comme ça. Ah, par contre, là, voilà, il va récolter tout ce qu'il y a là. Donc ça, c'est parfait. En always on. Toi, tu auras besoin. J'en ai déjà une sur moi. D'une gate. Voilà, lui récolte tout. Les graines, je vais les trashcan. Et du coup, il faut que je me refasse un crafter. Même deux. Là, deux, j'ai dit. Deux crafters. Solar. Il en est où? Ah. Kesako. Ah, plus d'énergie. Cool. Ça aussi, ça va être un problème. Il va falloir que je lui injecte. Il va falloir que je lui injecte du colle. Est-ce que j'ai encore des exporteurs? Alors j'espère que ça va pas casser le craft. Non. Là, je vais lui dire, tu m'exportes uniquement ça. Voilà, ça c'est parfait. Il a même pas besoin d'être en ultra rapide là. Et le call, je vais prévoir le coup. Ah, je ne l'ai pas appris à le faire. On va le récupérer. Donc on va te mettre là. Toi, je vais te dire, tu m'en fais 1000. Voilà, comme ça, j'anticipe. Donc du coup, on a le premier crafter qui va venir là. Qui va apprendre à faire ça en interne. Là. Gold.
tu vas apprendre à faire ça en interne. Toujours en interne, tu vas apprendre à faire le compressed x1. Toujours en interne. Tu vas apprendre à faire le x2. Toujours en interne. Tu vas apprendre à faire le x3. Toujours en interne. Le x4. Toujours en interne. Le x5. Et là, en externe crafting, le x6. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va déjà prendre ça. Remember. Je vais avoir besoin de ça. Voilà, il m'en a déjà fait. Donc ça, remember. Remember. Le foin, remember. Non, ça tu l'enlèves. Qui me fasse du x2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plus simple. En attendant, pour qu'il puisse tourner, on va prendre de la dirt. Voilà. On va faire ça. Non, on va laisser un de libre. Alors, du coup, toi. Ah, ouais, ça va un peu poser problème. On va te mettre là, toi. Voilà. Et il va me falloir une trash can. Est-ce que je l'avais bookmark la trash can? Non. Au cas où j'en ai encore besoin, je vais lui apprendre à le faire. Trash can. Hop. Il me faut des pipes upgrade du coup. C'est vrai que maintenant j'ai cela, je peux en faire logiquement. Yes. Parfait. Je lui avais appris l'autre fois, mais comme j'ai laissé tourner le modpack un petit moment. Et ici, on va lui dire juste. Là. Ah oui, il va pas le faire comme ça, non. Voilà, ici tu me mets que ça. Je veux rien d'autre. Voilà, c'est automatique. Et j'ai plus de pipe. Et je lui ai pas appris à faire les pipes.
Ça, ça va être chiant, ça. Il faut que tu apprennes à faire ça. Et donc, il faut que tu apprennes à faire ça. Et il faut que tu apprennes à faire... Ah oui, mais ça, je l'ai pas encore. Du coup, là, je sais pas si j'en aurai. Ouais, là, j'en ai apparemment. Ok. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et donc là, pareil. Là, on lui donne ça. Et là, on lui dit, tu me trashcannes ça. Et ça. Et tu me fous ça à la poubelle. Voilà, ici c'est nickel. Là, j'en ai 8, j'en aurai bientôt un 9e. Parfait. Remember. Remember. Maintenant, il va me faire du x2. Après, x3, x4, x5 et x6. Voilà, après, pour l'instant, il récolte pas des masses parce qu'il n'y a pas beaucoup, donc c'est normal. Du coup, je vais l'aider un petit peu. On va l'aider un chopper et ah, c'est même pas suffisant. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Du coup, lui, on va le mettre là. Et lui, le premier, en interne, on va te demander le compressed gold x7. Toujours en interne, le compressed gold x8. Et là, par contre, en externe crafting, le compressed gold x9. Là, normalement, il est censé rien me rapporter. Voilà. C'est logique. Il va me falloir un pipe upgrade. Quoi qu'en vrai, ça va arriver tellement lentement que normalement, j'en aurais même pas besoin. On va voir, on verra comment on peut anticiper ça. Insanium. Mais il m'a vraiment niqué Mao? Ah non, elle est là. Là, j'en ai deux. Ah, c'est parce que j'ai plus de dirt là. Ok. Alors, je vais le faire par là pour paniquer le craft de l'autre côté. Et non, j'ai même pas besoin en vrai. Hop. En voilà encore 4. Ici, il en manquait juste une. Ça va finir par aller de plus en plus vite. Hein. Lui, déjà au niveau de l'insénium, il est plus rapide. Parce que forcément, je lui ai mis beaucoup plus. Au niveau de l'énergie, on en est où là? Ouais, ça continue à monter là. Donc avec les deux crafters qui travaillent, ça continue à monter quand même. Il a dû me finir le solar panel, lui. Solar, voilà, Solar Panel 6. Et si je lui demande d'en refaire un, voilà, là il me manque 65 Fire Essence. Et les Fire Essence, faut juste attendre qu'elle pousse. Hein. En attendant, on va déjà... ça. Et là, vous voyez... Ah, par contre, là, pourquoi ça dit que ça génère que... Ouais, c'est normal. La lune est en train de se coucher. Voilà, normalement quand le ciel est là, ça doit me générer beaucoup plus.
Voilà, 4200, 4300. Voilà, ça augmente, ça augmente. Et là, ça me génère une chier d'énergie. Je suis qu'à 60% de light level, hein, donc c'est pour ça que là, c'est long. Mais là, lui, voilà, lui bouge même plus là. Et normalement, rien que ça, là, je suis déjà. Ça me génère quasiment 5, 4 fois 5, 20, ça me génère 20 000 FP particles là. C'est censé me générer beaucoup plus, hein. On avait vu que le solar il génère 8 000 là. Il génère 8 000. Donc là, il va me générer 4 fois 8, il va me générer 32 000 FE particules. Ce qui n'est pas encore assez. C'est pour ça qu'il me faut les solar panels au-dessus, mais pour ça, il va falloir que j'aille jusqu'à l'Ender Dragon. Pas le choix. Est-ce que là, je peux m'en refaire deux autres? 56. On va l'aider encore un peu plus. Alors, vous voyez, là, il a que un, il en a toujours qu'un. Il va bientôt en avoir un deuxième. Ça avance quand même, hein, ça avance quand même, hein. Donc là, concrètement, on manque combien? 1, 2, 3 et 18, ça fait 21. Juste 21 graines. Après, je pourrais utiliser un seed reprocessor pour traiter les graines et récupérer de l'item, quoi. Mais voilà, 8192. Il a à fond de blinde. Là, pour l'instant, il a 22 millions de stockés. Et en plus, il stocke de l'énergie aussi. Hein, donc, ça, c'est plutôt pas mal. Là, on a pas mal d'énergie de stocker. Là, là, il va stocker du x4. Hein. Alors, est-ce que tu peux encore m'en faire un? Non, il en manque 47. Ok. Bon, les amis, ce fut un live court, mais j'ai pas vraiment le temps la semaine. Normalement, j'aurais pas dû stream aujourd'hui. Là, ce que je vais faire en off, je me suis bien éclaté quand même, hein, ça a bien saigné. Tout ça à cause d'un simple bouton de fièvre. Hein. Ne les craquez jamais, les gars. Donc, ce que je vais faire en off, c'est continuer à installer mes Insaniums. Et vous avez vu le dragon, comment il est. C'était une purge. Je dois en retuer 5 comme ça. Je vais les faire en off. Je vais faire ça ce soir ou demain peut-être. Histoire de produire du Dragon Breath, des œufs de dragon et pouvoir passer au Solar Panel 8 qui, eux, vont du coup me produire 30 000 FE particules chacun. Donc, si je peux en avoir genre une dizaine, ça me fait du 600 000 FE particules. Enfin, voilà. Il faut que je produise de quoi. Et comme ça, je pourrais mettre ma range upgrade et ma dimensional card, histoire d'avoir accès à mon refind absolument partout, partout, partout. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce stream. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ce sera peut-être jeudi ou vendredi. Bye bye, ciao!